donc on est lundi, il est 10h30. Concrètement, alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levée, il était 9h, 9h10, je sais plus, bref, aux alentours de 9h. J'ai pris le petit déjeuner, alors tant bien que mal, parce que je suis sur l'application Le Secret du Poids, je suis à 86 kcal, alors que d'habitude j'en ai 324. Avec mon petit déj basique, c'est-à-dire que concrètement je n'ai pris que mon thé avec un sucre, mon jus d'orange et un demi pomelo. J'ai pas pu prendre plus, ça ne passait pas, mais alors pas du tout. Dégoûtée parce que là maintenant qu'il y a les céréales et tout, je comptais prendre un bon petit déj et non, ça ne passe pas. C'est pas grave, hein. Je me suis habillée. Alors oui, c'est normal là, les petits trucs que j'ai, c'est juste que mon débardeur est beaucoup trop grand maintenant. Et du coup, il faut que je resserre les bretelles comme je peux pour pouvoir encore le mettre. Donc voilà, c'est pas beau, mais bon, c'est pratique. J'ai rangé les trois machines que j'avais pliées hier. J'ai aéré toute la maison parce qu'il il fait super beau, hein, point météo, grand soleil, il fait même limite, il commence à faire chaud quand on se met au soleil. Donc c'est plutôt sympa ça, donc j'aère vraiment toute la maison pour que la chaleur rentre. Et qu'est-ce que j'ai fait? Il y a eu une catastrophe ce matin, puisque Enzo a cassé un plat qui venait de ma belle-mère. Et c'est un plat qu'on ne peut plus avoir, je sais que mon conjoint y tenait beaucoup, beaucoup, beaucoup. À ce plat, donc ce soir ça va, il va être de bonne humeur, je le sens, même si c'est qu'un plat, lui ça avait une valeur sentimentale, donc voilà. Le petit est encore devant les dessins animés, mais je compte bien le déloger du salon et qu'il aille jouer dehors vu qu'il fait beau. Et là, mon programme d'aujourd'hui, je ne sais absolument pas, je pense qu'aujourd'hui je vais vraiment faire tranquille, mais vraiment tranquille, tranquille, parce que je me rends compte, vous l'avez vu ce week-end, vous l'avez vu les derniers jours, ceux qui me suivent sur Snap l'ont vu, et je suis vraiment encore une fois désolée de vous avoir paniqué à ce point-là, mais là il faut que je lève le pied. Vu que je ne suis pas certaine si c'est la fatigue ou pas, il faut vraiment que je lève le pied, parce que mon corps il me dit concrètement merde, il peut plus. Donc je vais en profiter, je pense que je vais profiter du soleil aujourd'hui, mais avant tout ce matin je vais faire le montage du vlog du week-end, donc ça va être top puisque le week-end, hier ça a été une très mauvaise journée pour moi, donc ça va pas être génial, mais je vais faire ça, je vais le mettre en ligne, je vais répondre aux commentaires, etc. Et puis après on verra ce qu'on fait. Bon, grosse prise de tête là, il est 11h20, j'ai un souci avec mon PC, oui et non, AVG, donc l'antivirus qui m'a dit qu'il y a eu un souci, apparemment il l'a réglé, j'ai redémarré l'ordinateur, mais quand je veux répondre à vos commentaires ou quand je veux aimer un de vos commentaires, ça m'ouvre à chaque fois des pages, donc je commence à flipper et à me dire si j'ai un virus dans le PC, ça va pas le faire du tout. Mon vlog du week-end là, il va être super long si je ne supprime rien. Il y a 24 minutes de vlog, donc c'est quand même très très long. En sachant qu'à la fin je vous ai fait 10 minutes où je vous ai expliqué un petit peu pourquoi j'ai envoyé certains snaps, etc. Mais j'espère que je vais pouvoir un petit peu le diminuer. Et le fiston il a décidé de me faire péter en plomb. Mais vraiment, 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 j'en ai mal à l'estomac. Donc après m'avoir pété un plat ce matin, il m'a fait une crise parce que je lui ai dit qu'après 2 heures passées devant la télé, il pouvait sortir vu qu'il fait super bon. Il y a une moyenne là déjà de 23 degrés au soleil, donc il est 11h20, donc je pense qu'il peut aller dehors. Et il a rien trouvé de mieux à faire que de jouer avec le tire-pal et de de jouer avec dans la boue. Donc les roues sont pleines et il a désaxé des roues du tire-pal. Donc je pense que ce soir le chéri va être remonté, mais quelque chose de bien. Et il aura raison parce qu'il a décidé de me faire péter un plomb, tout simplement. Bon, il va être... il est midi. On va continuer avec les mauvaises nouvelles. Enfin les mauvaises nouvelles, la journée de merde. Puisque après le petit qui arrête pas de faire une connerie après l'autre, j'ai mon chéri, j'ai le collègue à mon homme qui m'a appelé et je trouvais ça bizarre, et c'est mon homme qui a décroché
Ben, comment faire simple? Il a posé son téléphone sur le tractopelle et ben, dans le stress et tout, avec le chantier, il l'a oublié et concrètement, il est tombé et il a roulé dessus avec le tractopelle. Donc, un Samsung S5 qui est écrasé par un tractopelle, autant vous dire que voilà. Donc, l'écran est mort. Il m'a demandé d'appeler GSM Clinique et comme par hasard, ils n'ont pas d'écran noir. Enfin, lui, c'est un bleu nuit, mais même du noir, ça aurait été bon. Ils n'ont que du blanc. Donc, il va se retrouver certainement avec un écran blanc sur un téléphone noir. Et puis, ben, ouais, cerise sur le gâteau, 179 € la réparation. Donc, génial. Génial. Sinon, je vais tout de suite continuer par les deux points. Pour la tenue et pour l'humeur. Alors la tenue, bah, c'est simple. J'ai un débardeur blanc sur lequel j'ai mis un haut que j'ai depuis très longtemps, que j'avais récupéré de quelqu'un de la famille. Donc il est très simple, il y a les épaules dénudées et il est en fait... Si vous, oui, j'ai du mal là, à l'envers. Là, il y a une ouverture. Et en bas, eh ben, j'ai une sarouelle, voilà, que j'aime beaucoup, 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 qui est quand même un petit peu épaisse et qui me permet, pour la mi-saison, bah, d'être quand même à l'aise. Pour l'humeur, comment dire? Top. Génial. Tout va bien. Hein, je pense que ça se voit. Bon, je vous filme le repas pour éviter d'oublier, enfin avant de me mettre à table, je vais tout de suite le faire. Oui, je me suis mis un petit débardeur, j'ai enlevé le haut noir parce qu'il fait vraiment bon et je vais me mettre au soleil. Ça va me faire le plus grand bien. Je vais en fait, voilà, me mettre là, m'asseoir là, il y a le soleil là, ça va être top. Et ce que je mange aujourd'hui, eh ben, c'est deux petites tomates avec, il y a de la feta et des olives et un peu de boulgour. Voilà. Alors, vous ne voyez pas forcément que le soleil, voilà, vous verrez mieux là. Voilà, et si j'arrive déjà à manger tout ça, ce sera bien. Bon, là, ce que je vais faire, c'est que je suis en train de mettre le vlog en ligne. Vu qu'il est très très long, qu'il fait plus de 20 minutes, ben, même si je ne mets pas la HD, il va mettre quasiment 4 heures à être mis en ligne. Donc, génial. Donc, pendant ce temps, je ne peux rien faire sur mon téléphone non plus, puisque la connexion, voilà, j'ai dû enlever le Wi-Fi et je dois me connecter sur le réseau. Et du coup, ben, je suis en train de niquer tout mon forfait. Donc, ce que je vais faire, c'est que Eh ben, je vais m'attaquer à mon. Enfin, m'attaquer. Je vais me remettre sur le bouquin. Et voilà, et continuer à écrire. Et puis voilà, j'ai mis le peignoir de mon chéri parce que je suis pas bien. Et que ben voilà, sentir son odeur, ça me réconforte. Bon, je reviens. Enfin, ça va un peu mieux. Oui et non, on va dire que je me suis préparée, donc j'y ai pas trop pensé. J'ai un peu modifié la tenue puisque j'ai. Alors, je vais vous le montrer. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, mais vous n'allez pas voir grand-chose en fait. Donc, j'ai gardé mon débardeur blanc. Voilà, qui est un simple débardeur à fine bretelle. Ça, c'est un cache-cœur gris où j'ai fait les nœuds pour pas avoir à l'attacher. Donc, ça me fait un petit gilet et avec un jean. Voilà. Et maintenant, la mission du moment, c'est voilà, c'est trouver en fait quel vernis je vais mettre. Voilà. Alors, c'est pas comme si j'avais pas le choix, hein. Je pense que j'ai quand même le choix, mais je n'ai aucune idée de la couleur que je vais mettre. Pour le téléphone de mon chéri et franchement c'est n'importe quoi, mais vraiment vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire que bah là vous allez voir le téléphone, hein, je vais vous, voilà, je vais vous montrer. Bon, ça va encore, hein, vu qu'il y a une mini pelle qui est passée dessus, on peut dire que ça va. Il n'est pas en deux,
Mais en fait, cette jeune femme ne peut rien faire puisque ça fait pas 18 mois qu'il avait son abonnement. Donc ils peuvent pas échanger de téléphone à un prix avantageux. Et pour avoir les offres avec les bons prix, etc., il faut qu'il change carrément de ligne. Même pas d'abonnement, il faut qu'il change de ligne, donc il ait un nouveau numéro de téléphone. Donc elle nous a donné la carte d'un endroit où il répare les téléphones, j'ai vu il répare les PC et tout ça. Elle nous a fait la promo du machin en nous disant que ce serait certainement moins cher. J'ai envie de dire, le cul d'un coq en papillote, hein, parce que là... c'est beaucoup plus cher que là où je me suis renseignée moi, donc heureusement quelqu'un lui a prêté un téléphone. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre qu'ils aient les écrans noirs sur Bayonne, et ils doivent normalement les avoir mercredi ou jeudi. Moi je rappellerai pour éventuellement qu'ils en mettent un de côté, et on passera à ce moment-là et ils lui feront, parce que c'est 179€ la réparation de l'écran, et là ils proposaient 209, voilà, donc 209€. Bon, au final on sait toujours pas ce qu'on va manger. Mais comme j'ai pas d'idée et que le chéri était encore dehors, ce que je fais, c'est que je suis en train de me démaquiller. Je vais prendre ma douche parce que ce sera pas du superflu, je suis absolument congelée. Et ensuite, on regardera ce qu'on mange. Voilà, j'ai fait du feu aussi. Donc là, il prend bien. On va avoir bien chaud parce qu'en fait, il a fait très beau. Mais d'un coup, à partir de 14h, il y a eu un vent très très fort. Et... forcément ça s'est rafraîchi, en plus j'ai pas fermé les fenêtres de suite, donc voilà. Ça va faire du bien, ça va réchauffer comme dit la maison. Voilà, bon, je suis démaquillée, je passe à la douche, mais là j'ai pas besoin de vous.